aujourd'hui, il y a 70 000 postes vacants. Je parle indépendamment de la crise sanitaire, bien sûr. Mais 70 000 postes vacants, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 70 000 jeunes qui n'ont pas une possibilité de trouver un job qui pourrait les intéresser, et voire même les passionner. Il est certain qu'il y a un gros effort à faire auprès des jeunes pour les tenter. Alors, c'est une profession qui regroupe des gens qui ont d'immenses mérites. Ils ont un petit travers, tout petit travers, qui est d'une certaine forme d'individualisme. Du coup, l'action collective n'est pas simple à engager. Dans l'armée, on a des cellules de communication qui font circuler dans un certain nombre de grandes villes françaises des bus ou des tramways avec tout le côté comportant une grande affiche s'engager dans l'armée.fr. Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des tramways où il y ait marqué s'engager dans la restauration.fr qui amène des gens à se dire mais oui, je vais voir, je vais commencer par me renseigner. Alors, évidemment, il ne suffit pas de communiquer. Encore faut-il que sur le fond, il y a un certain nombre d'évolutions qui se fassent. Moi, j'ai souvent été amené à regretter, dans toutes sortes de restaurants, une attitude que je trouverais pas assez humaine. Et je pense qu'il y a des exploitants qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas pris le temps de former leur personnel, et notamment de les former au savoir-être, qui est quand même quelque chose de très important, parce que quand on arrive dans un établissement, en tant que client, on a des attentes de ce point de vue-là. Et certainement du personnel ont du mal à répondre à ces attentes. Donc la gastronomie, ce n'est pas simplement ceux qui la font, mais c'est ceux qui la servent. Oui. Et alors c'est d'autant plus important que si vous ne formez pas les gens qui sont en salle, ils deviennent juste des porteurs de plats. Et là, le métier est moins intéressant. Alors que s'il y a le temps d'un dialogue, comprendre les besoins des gens, comprendre le caractère des gens, les conseiller en fonction de cela, ensuite le service, le petit trait d'humour, quand le serveur a compris à qui il a affaire, ce qui est certain, c'est que ça sera toujours un plaisir. Vous savez, dans n'importe quel bouchon lyonnais, c'est le serveur, ça sera toujours un plaisir. Brasserie parisienne aussi, mais on pourrait aller ailleurs en province pour ce constat. Moi, si vous m'envoyez un robot qui me dit bonjour et à qui je dois donner mon choix, j'aurai pas le même plaisir. Vous n'allez pas avoir le même ressenti. Ça, ouais, c'est pas le même ressenti. Ouais. Vous regrettez un peu la crêpe Suzette au Guéridon et la crêpe de Nécoute ? Oui, alors justement, moi je pense que... Le tour de nom aussi. Oui, c'est très important que le personnel soit la continuation de... Enfin, le personnel de salle puisse incarner la continuation de l'acte de cuisiner, parce que ça rend le métier plus intéressant. Donc la découpe d'une volaille ou d'un poisson sur un petit guéridon à côté de la table, parce que le serveur, il ressent une certaine fierté. On lui a appris le geste, bien sûr, il maîtrise le geste. Voilà, donc il vous découpe ça, il vous sert ça joliment, et il a le sourire, parce qu'il a la fierté d'avoir servi quelque chose, d'avoir terminé le geste du cuisinier. Certes, c'est pas lui qui a fait la montée en température, mais il n'empêche qu'il a valorisé la création du cuisinier. Je pense qu'en réanimant la salle, on va réattirer les jeunes. Je suis assez confiant là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre ? Alors, et à qui il est destiné, vous, finalement ? Alors, ce livre, il est destiné à la fois au grand public. On a essayé d'être assez précis, il y a peu de dilution, on est vraiment à l'opposé de la sculpture sur vent qu'on trouve dans de nombreux ouvrages. Il y a ce côté vraiment dense. Il y a énormément d'informations dans ce livre, factuelles aussi. Voilà, et donc on a pensé aux professionnels aussi, avec des annexes, qui eux vont donner des détails, exemple typique, qu'est-ce qu'un Japonais, un Allemand, un Italien, un Espagnol attend quand il vient dans un restaurant. On est tous des êtres humains et avec nos caractéristiques, nos caractères, qui peuvent varier d'un jour à l'autre. Et je pense que le savoir-faire du personnel est précisément de percevoir cela et se dire, tiens,
Monsieur Dupont a l'air soucieux aujourd'hui. La semaine dernière, il était souriant. Mais bon, ben on va en tenir compte. Mais ça, il faut soit une formation, soit un certain don pour sentir. Soit les deux. Oui, ou éventuellement les deux, oui, de préférence. Oui. Ce dont la gastronomie française souffre un petit peu, c'est que les restaurants français à l'étranger sont excellents. Ils sont tous des restaurants, ou quasiment tous, haut de gamme. Gastronomie haut de gamme. Nous, quand on voyage dans le monde entier, on mange la cuisine du pays, bien sûr, mais on regarde quand même un peu quand il y a un restaurant français. C'est très rare qu'on soit en dessous de 100 euros. Quand on cherche ce créneau qu'on appelle aujourd'hui bistronomie, on n'en voit pas. Il y a un cercle vertueux à créer. Pour l'instant, ça ne se fait pas, mais nous, en tout cas, nous plaidons pour une telle évolution. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le petit coup de pouce qu'on pourrait imaginer avec des prêts garantis par l'État ou des prêts d'un organisme étatique pourrait aider. Je suis sûr qu'il y a des milliers de jeunes qui seraient prêts à partir dans ces conditions. Oui. Non, je pense qu'on peut être optimiste. Mais il va falloir s'y mettre, à travailler. Eh ben, le message est passé, c'est pas, on va commencer dès la fin de cette interview. Merci beaucoup, Patrice Vanek. Merci à vous.